Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est un exercice assez classique de divisibilité. On va prendre P un nombre premier et on va démontrer que pour tout P nombre premier supérieur ou égal à 5, on a 24 divise P carré moins 1. Alors, le premier truc qu'on va remarquer, c'est que 24, c'est 8 fois 3. Et du coup, si on montre que 8 divise P carré moins 1 et que 3 divise P carré moins 1, on a gagné. Déjà, vu que P il est supérieur ou égal à 5, déjà, P carré moins 1, c'est P moins 1 fois P plus 1. Et ça, c'est pratique parce que vu que P il n'est pas congru à 0 modulo 3, parce que sinon ce serait un multiple de 3 et pas un nombre premier, et vu qu'il est plus grand que 5, ça ne peut pas être 3. Ça veut dire que P est congru à 1, ou P est congru à moins 1, modulo 3. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que bah, si P est congru à 1, modulo 3, P moins 1, il va être congru à 0, et si P est congru à moins 1, P plus 1, il va être congru à 0. Donc dans les deux cas, ça implique que P moins 1 fois P plus 1 va être congru à 0 modulo 3. Maintenant, par le jeu de cette écriture, ben, vu que P c'est un nombre premier plus grand que 5, c'est un nombre premier impair. Donc P moins 1 c'est pair et P plus 1 c'est pair. Donc en fait, on a deux nombres pairs qui se suivent. Et du coup, ben, soit celui-là il est divisible par 4, et dans ce cas-là, l'autre il sera forcément divisible par 2. Soit celui-là il est divisible par 2, et dans ce cas-là, celui-là sera divisible par 4. Et quand on fait le produit des deux, ben, ça veut dire que P moins 1 fois P plus 1 est congru à 0 modulo 8. Donc maintenant, on a deux informations, c'est que 3 divise p carré moins 1, 8 divise p carré moins 1, le PGCD de 3 et 8, c'est 1. Donc d'après le corollaire du théorème de Gauss, eh bien, on obtient que 24 divise p carré moins 1, parce que c'est le produit entre 3 et 8. Voilà, on a terminé cet exercice. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.